Salut à tous, et donc on se retrouve pour le 6ème épisode de The Forest Construction d'une forteresse. Voilà, donc on peut voir, nous sommes au même endroit que la dernière fois. Donc on va continuer la construction de notre forteresse, comme je viens de le dire. Donc on peut voir que... Oh, il est très beau, mon... Ah non, c'est des fleurs, vous voyez, on dirait il est en or et en diamant, bon ok. Donc on peut voir que toutes nos réserves sont encore là, il n'y a pas eu de bug de quoi que ce soit ni rien. On va juste créer un peu de cocktail Molotov pour pouvoir se défendre contre nos amis indigènes... S'il y a un petit problème avec eux de cohabitation, je pense, parce que ça va certainement arriver. Voilà. Donc on s'y fait quelques cocktails Molotov. Ensuite, on peut bien fermer notre inventaire. On va juste prendre la hache avec nous. Et de ce pas, nous allons continuer à construire la forteresse. Voilà. Donc je pense qu'on peut peut-être casser cet arbre là qui est dans ma cabane. Donc on va commencer par ça. Déjà on va casser ce fougère. Casse-toi fougère. Allez. Ah, ok, je peux pas taper parce que j'ai très faim. Donc je vais me faire un feu et je vais me faire un graille avant. Pour vous prouver que je viens à peine de lancer la sauvegarde. Hein. J'ai faim, voilà. Voilà. Donc allez go, on allume un petit feu. On prend... Alors un lézard ou un lapin. Moi je trouve que le plus difficile à attraper c'est les lézards. Les lapins. Je mets toujours les lézards en premier. Et si vraiment j'ai pas de lézard, bah je prends le lapin. Mais la plupart du temps j'essaye de mettre des lézards. Voilà. Donc on fait cuire le petit lézard. Notre ami lézard. Ah, allez. J'ai jamais écouté la cassette. Vous voyez ce que dans mon inventaire là, vous voyez ça là. J'ai jamais essayé de l'écouter parce que les gens disent qu'après ça s'arrête pas. Donc j'ai pas envie d'essayer. Pour après que ça me casse les oreilles pendant tout l'épisode. Donc je préfère pas le lancer. Comme ça moi y a pas de problème. Hein. Voilà, parfait. Donc maintenant qu'on est rassasié de ce petit lézard qui nous a, grâce à lui, maintenant on a plus faim, je vais pouvoir casser ce fougère de merde. Voilà, comme ceci. C'est bien, comme ça ça me fait des feuilles. Et je vais couper cet arbre. Voilà, parfait. Comme ça après ça va faire un peu de place dans mon... Ça va éviter de faire genre une cheminée, tu vois, que ça sert à rien parce que voilà, j'ai pas de feu, j'ai pas de cheminée. Enfin, je sais pas si vous comprenez en fait. Ça fait un gros tronc qui dépasse de mon toit. Alors déjà c'est un bug parce que, enfin, vous voyez, il est bien dedans. C'est pas, enfin, je sais pas, c'est bizarre. Donc on va le couper. Au moins ça fait du bois. Tout le monde est content. J'espère que nos amis vont pas venir maintenant. Il me gêne. Putain, j'arrive. Non, sérieux. Ah voilà, allez go. Parfait. Wow. Wow. Wow, c'est quoi ce bug? Wow, shité. Cheaté à mort. Bon, vous savez quoi, on va pas quitter la sauvegarde pour revenir. Je pense qu'on va rester sur celle-ci. Hein. Soyons des gens honnêtes et ne faisons pas de... Voilà, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Donc bah du coup on va quand même essayer de sortir de cet endroit. Parce qu'il ne me dit rien qui vaille quand vous voyez des sauts. De... Oula putain. Ou merde. Mais que fait-il? Il dort juste à côté de moi. Merdouille. Merdoum Louloum. Oh putain, il lui manque un pied. Oula, qu'est-ce qu'il... Oh putain, il dort lui aussi. Ah, on est dans une... dans un dortoir. Un dortoir de sans zizi. Mafaka. Ah, oh putain. Non, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je ne veux pas de soucis avec vous. En plus, vous savez même pas viser. Bordel de merde. Puis-je sortir par l'avant? Putain, ils sont trois. Oh, quatre. Oh putain, il y a toute la famille. Puis-je sortir par là? Excusez-moi de mon intrusion dans votre petit monde joyeux. Oula, j'ai pas l'impression que je sois bien où il faut là. Oh putain, que font-ils? Ils courent dans tous les sens. Je pense que je les gêne. Oh putain, c'est quoi ce... Oh putain. Oulala. Là là. Alors là, je suis à l'abri d'eux. C'est quoi, on va lancer un petit cocktail? Parce que les mecs, désolé, mais je tiens à ma putain de vie de merde. Bim, voilà. Parfait. Voilà, ils sont tous morts, parfait. Donc là, je vais me faire cramer la gueule. Voilà, c'est sûr, c'est toujours le bug de ça qui était parti avant mais qu'ils l'ont remis. Très intelligent les mecs. Bravo, bravo. Donc là, on peut voir qu'ils sont tous morts. Vu qu'ils bug en fait. Et en fait, ils sont morts mais ils sont pas morts. Je sais pas si vous comprenez vite fait ce que je suis en train de dire. Moi, je suis simplement en train de mourir. Comme ceci. Donc on va éviter de mourir, ça serait con. Voilà, mais arrête de cramer, couillon. Bon, alors, ici, il n'y a pas de sortie. Donc faisons le tour et, laissons-les... tranquillement se reposer debout comme ceci. Je ne vois rien où je vais, hein. Je vous préviens quand même à l'avance. Il me semble que j'avais une lampe, enfin peut-être que j'en avais pas en fait. Et là, comme vous voyez, que je ne vois que dalle. Donc c'est super.
À peine je lance la sauvegarde. Ouh là putain. Il y en a encore en face, non? Ah, ce que j'ai vu, c'est un repère. Oh, genre, il y en a là ici, vous voyez les trucs pour faire les bombes là. C'est pas beau la vie? Alors, on a vu y avoir des méchants par ici. Hein. Après, je dis ça, c'est qu'une idée. Hein. Parmi tant d'autres. Mais bon, cet endroit ne m'attire pas trop. En plus, j'y vois que dalle, ce briquet de merde qui marche pas. Putain. Bon alors. On peut voir quand même qu'ils ont fait ils ont acheté des choses dans les grottes, hein, voilà, des petites choses, comme ça, c'est sympathique. Ça donne envie d'y aller, dans ces grottes, de les explorer encore plus. Oula, ici il y a une petite ampoule. Ouh putain! Ouh merde! Cocktail! Molotov! Vitoum! Lansoum! Voilà, ça fait un barrage de feu! Barrage de feu! Ouh putain, l'autre est complètement en train de bugger en face de moi. Les mecs, calmez-vous, je ne vous veux pas de mal. Je suis pacifique. Ah même pacifique man. Capiche Ginette. Bon, laissez-moi tranquille, bordel. Autrement je vais devoir m'énerver. Bon attendez, je vais simplement visiter par là. Bon voilà, tout va bien. Allume ta torche quand tu te réveilles. Je regarde s'il n'y a rien qui pourrait m'intéresser pour la construction de mon camp. Bon, est-ce que je vois, c'est assez rudimentaire hein, votre équipement. Pas de machine à laver, pas de lave-vaisselle. Allez mec, faut s'équiper dans la vie. Hein. Bon par contre si vous commencez à m'énerver comme ça, ça va pas le faire. Oh putain, il m'a fait décoller Ginette. Oula. Calmez-vous. Calmez-vous mes amis. Nous sommes tous amis. Nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu si vous voulez. Bon voilà, maintenant je me taille un petit peu parce que vous commencez sérieusement à me péter les couilles. Voilà, toi dors si tu veux. Ah super. Maintenant je me taille. À la vitesse de la lumière. Je sais même pas où je vais. Hein. Putain, j'ai entendu un bruit de souris là. Putain, c'est quoi ce délire? Je n'y vois que dalle, putain, il me faut une lampe, bordel. J'avance dans le noir total. Oh là là là. C'est quoi ce truc en face là? Je sais pas mais je sors. J'ai l'impression que j'arrive à sortir. Je sais pas, je sprint en tout cas mais je vais bientôt... Oula. Oula. Ça me dit rien qui va cet endroit. En plus j'ai l'impression de descendre encore plus profondément. Ah, c'est une sortie. Oui. Oula. C'est quoi ça? Il y a un gros bug là. Putain mais on dirait qu'il y a une porte en haut là. Oh putain, oh il vient de respawn en face de moi lui. Mais bien sûr, totalement normal. Et on peut les tuer maintenant, j'ai la preuve. Enfin j'ai la preuve mais je ne veux pas le vous montrer parce que comment dire, ça me ferait assez chier de devoir mourir. Maintenant tout de suite avec vous. Arrête de m'attaquer toi. Méchante bébête. Ah, est-ce une sortie? Vite, courons. Courons vers la liberté mes amis. Vite, en espérant que l'autre ne me suive pas. Ah non, il est bloqué, il peut pas monter, il est pas équipé de pattes genre Spider-Man, vous voyez, il peut pas escalader les... Moi par contre je peux, hein, bien sûr. Bon putain, là ça m'énerve, je ne vois rien, vite, fonçons tout droit, tout, putain c'est un trou du... Ah non, c'est une sortie. Attention quand ça monte comme ça net, oh putain il y a une sortie, ouais. Alléluia, alléluia, alléluia. Trop bien, attention c'est la fête les mecs, les filles, les mecs, tout le monde, les enfants. Oh là 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 là, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Eh si, c'est bien beau ça. Maintenant, il faut que je retrouve ma petite maison. Et aller vers là-bas. C'est la maison dans la prairie. La maison dans la forêt. Ah non, je vais très certainement commencer à courir. D'un rythme assez soutenu, bien sûr. Pour éviter de me refaire niquer. Donc là, en fait, je viens de niquer ma seule chance. Mais c'est pas grave, vu que je suis un professionnel de sauvegarde. Après, bah, mes amis sauvegarde vont bien m'aider, je pense. Voilà. Donc j'étais tranquillement en train de couper mon tronc d'arbre de merde, quand tout à coup il m'est tombé en plein sur la gueule, donc un vieux bug du jeu, et après j'ai fait un saut de quelques kilomètres, comme vous avez pu le voir, et bien sûr bah voilà, tout va bien. Donc je sais pas encore si je vais faire des coupures dans cet épisode, bon je pense que je vais pas en faire, hein, comme vous m'avez demandé la plupart. Oh putain, quel est cet endroit? C'est un endroit assez atypique de la région. Comme vous pouvez le voir, il y a des bustes humains, des côtes. Très typique du pop art des indigènes. C'est un art très, très évolué, très recherché aussi. Tout est très en harmonie. Harmonie, à ce qu'il me semble. Bon, j'ai pas joué beaucoup, mais c'est le nom d'une meuf dans Mario, quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus, hein, mais il me semble. Quand j'allais chez quelqu'un, une fille de mon village, là, enfin oui, j'allais dans un putain de bled. Et bah on jouait
un jeu de Mario là, je sais pas trop quoi. Ah oui, ah bah tu sais quoi, si je trouve la hache moderne, je vais me faire un plaisir de la prendre et de massacrer tous ces indigènes. Là là là, enfin la civilisation. Femme, faites-moi manger, vite. Ginette, appelle tes... Oh putain, mais qu'est-ce qu'il faisait à dormir ici là, lui? Eh, mais toi t'es mort toi. Va t'y faire foutre. Je n'ai plus envie de jouer avec vous maintenant. Vous avez commencé à me saouler là, à me niquer ma seule chance. C'est de votre faute, hein. Je sais que vous avez dit à l'arbre de tomber sur moi. Je le sais très bien. Alors arrête de me cacher les choses. Toi d'ailleurs t'es mort maintenant. Voilà. Oh, putain, il résiste au coup de hache. N'importe quoi, mais n'importe quoi, tu es mort, je t'ai dit. Mort, mort comme ta mère et ton père. Voilà. Maintenant, trouvons la hache. N'est-ce pas qu'ils viennent pas nous attaquer comme des petites putes par l'arrière? Ah, il y a une tête qui roule. Bye là, bye là. Alors. Ah, faut que je tue un lézard. Parce que j'en ai utilisé un tout à l'heure. Oh putain, pas un lapin, un lézard. Parfait. Bouteille d'alcool, parfait, on est refait. Un cadavre, on te nique. Bim. Moi, je suis le destructeur d'indigènes. Personne ne survit avec moi. Et la petite musique, tu vas te calmer tout de suite. Parce que moi, je suis pas un petit rigolo, moi. Oh putain, je viens d'entendre un cri. Ouh là là. Ça ne me dit rien qui vaille. Bon, il faut que je trouve la hache moderne. J'espère. J'ai l'impression qu'ils l'ont gentiment retiré. Normalement, il était là. Elle n'y est plus. Donc là, on va gentiment rentrer à la maison. Juste faire des petites courses avant. Faisons des courses. Ah putain, il y en a un qui est juste en face. Bon bah putain, la hache n'est pas revenue toute seule. Bon. Putain, il y en a encore un qui dort en face, mais putain. Mais toi, je te jure que t'es fini toi. Putain, ils dorment tous sur les côtés, c'est quoi ce délire? Mais vous avez cru que c'était votre camp ici, bande de salauds? Va te faire foutre. Va te faire foutre. Voilà. Putain, quand je dis que t'es mort, t'es mort. Bim. 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 Tu es mort. Putain, t'as me saoule. Voilà. Putain, je l'ai coupé en 20 000 le bordel. Ça fait du... Qui veut un petit bout de méchant? C'est pas cher, c'est 1$. Oui, on parle en dollars. Putain. Toi aussi, t'es mort. Comment c'est tout ça me pétait? Il y en a encore en face. Toi, t'es mort. Ah non, lui, il est déjà mort, en fait. Bon, ok. Toi, vas-y, vas-y, attaque. Bim. 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 Et là, je vais faire une effigie bientôt. Hein. Bim. Po, po, po. C'est qui le boss? Venez tous. Je vous attends, là. Je suis chaud comme la braise. Comme la braise. Vous avez bien entendu. Toi. Ton vaudou, il va pas venir te sauver la vie, mon petit gars. T'es fini. Fini comme un archipamentier de une semaine. Tout ce que je dis est très logique, hein, bien sûr. Et bim. Mais putain, t'es invincible. Voilà, je préfère ça. Voilà. Moi, je fais de la charpie, moi. T'es rien du tout. Voilà, c'est qui le chef? Je préfère ça. Hein. Je pense qu'un jour, je vais créer genre une mini-ville ici, vous voyez. Je vais faire des remparts et tout. Je vais faire une maison pour Ginette, une maison pour tout le monde. Et je vais essayer de les sociabiliser avec moi. Je vais leur faire manger de la bonne viande, du bon lapin, du bon lézard. Je vais leur apprendre ce que c'est. Bon, voilà, ma casa est là-bas. Oh, putain, ils sont quand même assez grands ces appartements. Je pourrais les louer un bon prix aux méchants là. Je sais pas trop si c'est qui les a créés ou quoi que ce soit. Mais je m'en fous. Tout m'appartient. Je suis le conquérant. Julien le conquérant. Parce que mon nom c'est Julien. Voilà, rentrons à la maison. Et faisons des crêpes aux champignons. Ça rime. Let's go. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à trouver les troncs que j'ai coupés. Mais j'ai l'impression qu'ils sont tombés de la falaise. Ça me pète les couilles, mais je pense que c'est une réalité. Ça serait con que je tombe à mon tour. Faisons bien attention. Bon, j'ai l'impression que je vais plus jamais les retrouver. C'est super. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas le paradis. Voilà. Bon, alors, on va continuer gentiment à faire d'autres murailles du Mexique. Alors, nous faisons B. Nous faisons... Muraille. Et nous faisons muraille. Maintenant on va la fixer à l'autre. Mais non putain. Mais non. J'ai pas voulu la mettre là. Oh putain, en plus on passe à travers. Catastrophe, catastrophe. C'est ce que je vais faire. Ah non putain, on peut plus les retirer maintenant les constructions comme ça. Avant on avait juste à quitter. On savait quoi, je pense pas qu'on passe hein. Enfin c'est juste une idée. Bon, on va quand même essayer de le construire, maintenant c'est trop tard. Mais j'ai bien le seum. Je pense que j'ai le seum de ma vie même. Bon, c'est pas grave, de toute façon, une fois que c'est fait, on peut plus revenir en arrière. C'est comme ça, c'est pas autrement. On va continuer encore un peu, de façon à se sentir bien protégé dans la casa. Parfait. Refaisons... On en refait une encore. Voilà, comme ça, je trouve que c'est déjà pas mal.
ça me fait plus confiance, ça me donne envie d'habiter ici, d'appeler mes amis, de leur dire de... Oh putain. Eh mais putain, mais vous commencez sérieusement à me casser les coucougnettes. Oh là là. Mais maintenant, venez là, je vous attends moi. J'ai un cocktail en réserve, je sais pas où, mais je l'ai. Voilà, en fait, il est pas fait, mais il est bientôt fait. Vous savez quoi? Vous trouvez plutôt sympa au début. Mais ça, c'était au début. Maintenant, vous commencez sérieusement à m'énerver. Voilà, bim, j'en ai eu deux. Parfait. C'est qui le chef? C'est qui le chef? Eh, j'ai envie de vous entendre le dire quand même, hein. Je vous préviens à l'avance, hein. Sérieusement, c'est qui le chef? Bim. En plus, je suis plein de sang à cause de vous là. Ok? Donc maintenant je vais me laver et vous allez me laisser tranquille. Voilà, ne bougez plus, c'est qui le chef? Vous êtes tous des soumis. Maintenant, allons à l'endroit où on peut pêcher du poisson. Malheureusement, je n'ai pas de lance, mais il y a du poisson. Ça, c'est un bon endroit. Ah, il y a un caillasse. Caillasse. Voilà, donc maintenant on est tout propre. On va pouvoir continuer à construire. Et eux, en fait, je vous explique ma nouvelle technique de ouf que j'ai trouvée en dormant, bien sûr. Et bah, je les laisse comme ça, mais comme ça, je les vois plus facilement. Et dès que j'ai besoin de leur corps et tout, bah, je les tue. Parce que là, en fait, ils sont tués, mais ils restent debout. C'est très original. Et en fait, un jour, il y en aura pas mal. Et genre, ça fera une sorte de discothèque. Vous voyez, il y en aura partout, dans tous les sens. Je mettrai un petit bout de musique et tout. Et là, vous voyez, ah, je suis mort. Et là, vous voyez, ce sera genre un truc de ouf, hein. Donc là, on va juste se faire cuire un petit truc à manger. Parce que mon bonhomme commence sérieusement à avoir un petit creux au ventre. Donc prenons le lézard et faisons le cuire. Voilà. Parfait. Donc en fait, je pense pas que je vais faire des arrêts de... Parce que c'est pas mal de rester en live toujours et de ne pas faire de pause. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme ça, la série dure plus longtemps aussi pour vous. Nous sommes déjà à 16 minutes de vidéo et pourtant, nous n'avons presque rien construit. Donc on va sérieusement s'y mettre. Malheureusement, il y a toujours des imprévus, comme vous pouvez le voir. Hein, c'est pas vraiment pas de ma faute. Où est-ce que je mange un petit coup là, bien sûr. Hein, tout maçon a besoin de manger une bonne quantité de viande de lézard. Pour rester en forme. Parfait. Maintenant on va... Oh putain. Ah j'ai cru. Mais du coup je vais flipper à chaque fois que je vais les voir. Je vais toujours croire que c'est des méchants alors qu'en fait bah ils sont déjà morts. Toi je vais te couper. Cut. Il y a quand même du bois dans le coin mais après il faudrait que j'aille un peu plus loin. Mais bon ça c'est toujours pareil. Hein. Le bois ne se régénère pas. Peut-être qu'au bout de plusieurs années il va se régénérer. Et pour l'instant bah non. Coupons du bois. Oh nanana. Allez, allez, on coupe. Cut. Voilà, c'est pas beau ça. Et il tombe du bon sens. Oh là là là, je suis un bûcheronné, je vous le dis. Est-ce qu'il peut les écraser? Non, il peut pas les écraser. Ça aurait été bien marrant que ça les casse en deux, vous voyez. Ça les fracasse. Tac, tac. Il y a un grand arbre en face, là. Vous avez vu un peu le tronc, là? Quand le tronc est tout lisse comme ça, et bah, c'est vers l'arbre où il y a 5 troncs. Enfin, ouais, voilà. Tac, tac. Je coupe pas mal de bois, là. Hein. Donc là, on se met en mode bûcheron. Comme vous l'avez déjà dit précédemment, avec une tronçonneuse, ça irait plus vite. Malheureusement, où est-ce que je trouve une tronçonneuse? Aussi une petite tondeuse pour fondre l'herbe, ça serait bien. Attendez, je vois un lézard là-bas. Tiens, tu vas devenir... tu vas remplacer ton collègue que je viens de bouffer. Non, va en dessous du tronc, t'as raison. Je crois que c'est ça qui va te sauver la vie. Ah, banzai! Parfait. On peut commencer à prendre les troncs, gentiment. Putain, ça me fait un peu flipper quand même de voir des méchants comme ça. Alors, là, le soleil commence à se coucher. Donc dépêchons-nous. Putain mais à chaque fois que je vais pas voir là je vais me faire niquer hein. Dépêchons-nous d'avancer la muraille. Ce serait une excellente idée. Puisqu'après je vais faire une petite boum. Je vais les inviter, je vais leur dire regardez ma maison, les travaux, un petit apéro, on prend un petit whisky coca, je sais pas moi. Un truc bien tu vois. Bien se poser après. Après je vais leur montrer mon herbe de qualité, puisque j'ai des plantations un peu partout dans le coin. Je vais leur faire goûter, bon, je suis sûr qu'ils vont vouloir en acheter. Et après, grâce à tout ça, je vais pouvoir les engager pour qu'ils construisent ma maison. Enfin, pour qu'ils aménagent, qu'ils trouvent des meubles pour mes futurs appartements que je vous ai montré tout à l'heure. Oh parfait, on passe pas. Ah si on passe, putain de merde. Bon, c'est ce que je vais faire du coup là, bah je sais pas encore, mais je vais faire quelque chose. Voilà. Donc plus tard je vais faire quelque chose, mais bon pour l'instant... Bon alors il me semble que j'ai bien usé tout le bois que j'avais coupé, c'est strictement impossible puisque j'ai coupé deux arbres et que un truc c'est... Putain il n'y en a pas un là-bas là? Non. Ah tenez il y a une bûche qui est là-bas. Elle s'était écartée du groupe, putain il y en a même deux, oh là là, elles restent ensemble. Elles ont eu peur de se perdre. On peut voir que le soleil commence à se coucher. Oh putain, putain mais à chaque fois j'ai peur là, j'ai été obligé de les fracasser hein. Oh là, pas possible. Comment voulez-vous que je puisse travailler dans de bonnes conditions alors que j'ai l'impression de me faire observer de tous les sens? Malheureusement, il faut que je continue la construction de mon... Oh putain, ils arrivent.
Oh putain! Ouh là là! Vous avez vu un peu le groupe là? Alors, je pense qu'ils vont venir. Ce qui paraît même très logique vu que j'ai tué une bonne vingtaine d'entre eux. Ils doivent être un petit peu en colère, je pense. Donc là, ils arrivent. Donc je vais simplement les faire cramer. Comme ça, j'aurai encore plus de monde dans ma discothèque voilà. Vous comprenez? Donc par exemple, par contre, je n'ai qu'une seule chance. Après, j'ai mon pistolet magique. Mais pour l'instant, en cocktail, je n'ai qu'une seule chance. Donc, essayons de ne pas la foirer. En plus, là, il y a un putain de tas en face de méchants. Les mecs, et ça, c'est pour vous. Bim. Voilà, parfait. Bon, ok, j'en ai eu un seul. Les autres sont censés courir dans tous les sens et venir se faire cramer. Toi, vas-y, viens là. Calme-toi. Bon, bah voilà. En plus, je me suis loupé. Grâce à toi, je viens de niquer une balle. Ah, il a eu peur du flingue, putain. Donc là, maintenant, j'en ai 4. J'ai l'impression que j'en ai 4 qui ne bougent plus. Ils font tous partie de la boom, discothèque, soirée dansante, comme vous voulez. Bon, j'ai l'impression que tous les 4 là sont morts. Sauf qu'il y en a un là-bas qui bouge. Bon, il me fait pas très confiance. Donc je pense que je vais aller lui rendre une petite visite. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Claude? Tu as besoin d'amis? Oula putain, non, lui il est pas mort. Lui il est encore bon à m'attaquer. Hein. Il est chaud comme la braise pour danser avec Ginette et toute la famille. Bon, au pire, tu pars, tu me laisses construire. Oh putain, il y en a une qui arrive. Ouh là 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 là, calmez-vous les enfants, il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde, comme je vous l'ai dit. Bon, je vais être obligé de sortir le pistolet. Il y a un regroupement de rebelles. Dispersez-vous, je vais être obligé de tirer. Dispersez-vous, je ne répéterai pas deux fois. Ginette, bouge. Et voilà. Oh putain, alors lui, il va me fracasser la tête. Hein. Toi, t'es mort. Toi, t'es mort. C'est qui le chef? Je suis le chef du feu. Personne ne peut me battre. Je dispose le pistolet magique. Pistolet très puissant qui vient de mes ancêtres. Oh putain, alors là, nous avons une personne ici qui fait le Jésus. Une, deux, trois, quatre. J'en compte quatre. Un cinquième là-bas, mais il a pas l'air d'être mort. Et j'ai des petits bâtons ici, c'est génial. Mais il me semble que mon soc de bâton est déjà au maximum. Mais je peux quand même les fracasser avec un bâton. Quelle ingénieuse idée. Oh, regardez le ciel. Je sais pas si vous voyez, là, plein d'étoiles. Ça, c'est vraiment quelque chose de très beau qu'ils ont fait. Vous allez me dire, ils ont pris l'image, ils l'ont foutu sur le ciel, et puis voilà, hein, y a des étoiles. Mais, ouais. Je sais pas si c'est aussi facile que ça à faire. Mais sur Photoshop, ça donnerait ça. Hein. Bon, t'arrêtes de cramer gentiment, là. Donc, maintenant, je pense que je vais sauvegarder gentiment ma partie. Faisons W ensemble, dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Cet épisode, ça fait déjà 22 minutes, voilà, que nous sommes dessus. Alors, voilà. Donc, comme vous avez pu voir, on n'a pas beaucoup avancé. On a juste fait une muraille. C'est pour ça que ça avance très doucement autrement. Donc, dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez de ce mode d'avancement de la partie. Puisque c'est vraiment court. Enfin, on n'avance pas du tout. Donc là, je vais juste essayer d'avancer un petit peu quand même. Donc, on va couper quelques arbres. En espérant qu'ils ne viennent pas nous embêter. Laissez-moi travailler et tout ira bien. Je laisserai vos femmes et vos enfants. Tranquillement. Putain, lui il est pas mort là-bas. Vous avez vu un peu, il bouge. Oh là là là. Bim. 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 Putain, c'est quoi ce bruit? Attention, je suis prêt. Je mets mon poing en avant. Attention. Mais j'arrive pas à me faire cramer là. Ah, t'es obligé de venir te fracasser toi. Tu n'es pas mort. Et tu n'es pas bugué comme les autres. J'aime pas quand je vois tout blanc comme ça. J'ai l'impression que je vais mourir en fait. Tu n'es pas mort. Mais ça ne va pas tarder. Normalement si tu prends un coup de hache comme ça en plein dans le ventre, t'es un peu mort. Mais bon, eux c'est des surhumains. Oh putain, il commence encore à venir. Bon écoutez chers amis, la prochaine fois, nous allons vraiment construire quelque chose d'important et de bien pour vous. Ça risque d'avancer un peu plus que ce que je n'ai fait pendant ces derniers moments. Voilà. Donc, je vais encore essayer une fois d'essayer de sauvegarder pour avancer le jour. Parce que qu'on soit dans la nuit, c'est pas la plus belle chose. Donc là, on peut voir que je vais mourir. Et oui, je suis mort. Mais heureusement que j'ai sauvegardé. Donc là, on va juste faire quelque chose comme échappe. Échappe, vite. Non, normalement, en lançant la sauvegarde, ça devrait aller. Donc j'espère que ce second putain mais le son est juste trop fort. J'espère que ce second épisode vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ceux qui ne savent pas, ça va faire plaisir. On va essayer quand même d'avancer un peu plus dans les autres épisodes, puisqu'en fait, pour cette seconde saison,
le titre sera toujours construction d'une forteresse, mais j'ai vraiment l'impression que ça peut plutôt être une série où vous allez me suivre dans mon aventure sur The Forest. Donc il n'y aura pas de scène coupée. Je vais avancer à mon rythme, donc le rythme que vous voyez, vu que tout ce que je le fais en vidéo. Et du coup, vous ne loupez rien. Et j'avancerai beaucoup moins vite en termes de construction, mais il y aura plus d'histoire, de blabla et tout ce que vous voulez. Voilà. Donc là, vu que les épisodes, je les fais pas à la chaîne, mais je les fais avec un. J'en fais peut-être, je sais pas, quelques-uns par jour. Ça m'évite de. Voilà, vous voyez, c'est plus pratique pour moi. Et je les upload pas tous le même jour, parce que vous imaginez un peu le bordel. Surtout avec ma connexion de merde, que j'essaie d'uploader la découverte de la version 0.04 qui est déjà sortie il y a deux jours en fait. Donc le truc pas du tout enfin bien, tu vois, ça sort trop en retard. Le problème c'est qu'une connexion de dope que j'ai, mon internet n'arrête pas de planter, du coup à chaque fois j'ai oublié de la remettre, donc ça m'énerve vraiment, un truc de ouf. Donc vous voyez à quel point je galère pour mettre des vidéos en ligne, hein. C'est vraiment que j'ai la foi, hein, je vous le dis. Hein. Donc voilà, alors j'espère que vous avez bien aimé, blablabla, blablabla. Bon bah voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Bon, comme vous pouvez voir que je suis mort, mais en fait je suis pas réellement mort, je suis à moitié mort, voilà. Je pense que beaucoup là, c'est quoi ce bug? J'ai vu un peu l'icône maison, quoi. Voilà, tout va bien. Donc voilà, donc bah tout va bien. Bah, je pense que je dis trop de fois les mêmes choses. Donc salut, à plus. Et à la prochaine. Bye.